Salut tout le monde, aïe. Putain, je vais se cogner. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... Ils ont le même logo que nous là-bas. Non, sauf que nous on a enlevé les bouillettes. Ah ouais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un vlog. Yes. Et on est où? À Montluçon. Voilà, comme on vous avait promis. 14e fort. Pêche les gars, silure. Il a les t-shirts. Yes. Mais t'as tout nu. Non, je rigole. Et donc du coup aujourd'hui bah on va retrouver Damien, on doit l'attendre sur le trottoir. Ouais. Comme des... voilà. Et donc du coup voilà, donc, on a emporté la caméra. On précise, hein, on fait pas les prostitutes hein, si on est sur le trottoir. Hein. Donc on attend Damien voilà. Et après on rentre dans le salon et on va vous filmer 2-3 trucs sympas. C'est ça. On est avec Jordan. Yes. Fais coucou hein. J'ai fait coucou. Je vois pas avec ma mèche. Et donc du coup, voilà, donc bah j'espère qu'on va croiser les abonnés. Voilà, bah oui, ouais, c'est le but. Hein, c'est le but, hein, qu'on ne soit pas levé à 5h du matin pour rien. À la base, on voulait venir à Montluçon surtout pour les abonnés, et puis après, ben moi par rapport à Radical aussi, quoi. Donc, mais à la base, c'est surtout pour les abonnés, quoi. En premier temps, c'est pour les abonnés. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, bah on se retrouve tout à l'heure alors. Allez, on se retrouve à l'intérieur, les amis. Ah ouais. Donc j'aimerais vous apprendre, vous dire quelque chose. Que Damien, dit Dams, est daltonien. Voilà. Il vient d'arriver, la Clio elle est grise, il nous a dit qu'elle était marron. Voilà. Donc il monte dans une voiture, il sait même pas de quelle couleur elle est. Eux, ils doivent nous connaître parce qu'il a regardé le t-shirt à mort. Bah, peut-être pas forcément. Non mais on est connus, t'as vu. Donc voilà pour vous dire que bah on est. Enfin, les pirates sont daltoniens. Donc voilà, on est même pas rentré. Il y a déjà deux personnes dans les voitures qui nous ont dit « Eh, pirate !» Donc voilà. Ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. Ça fait assez bizarre, mais ça nous fait voiture, super plaisir. Attends, on va attendre Damien. On va attendre Damien, avec sa voiture marron. Raconte ton expérience d'hier du McDo. Le truc c'est qu'Ophélie voulait aller manger McDo parce qu'elle crevait la dalle. Moi je voulais pas me lever de mon lit, enfin de mon canapé, donc j'avais la couette évidemment. Elle me dit, et si tu prends ta couette, tu viens? Je dis oui. Elle m'a pas cru capable en fait de venir avec la couette. Je me suis enroulé dans ma couette, tout. Je me suis installé dans la bagnole, tout, la ceinture et tout. Le mec du McDo en fait. Donc vous savez, des fois il sort à l'extérieur pour prendre les commandes et tout. Puis il est sorti à l'extérieur, le mec il a halluciné quoi. Il a halluciné. Au début il croyait que c'était une écharpe alors que moi j'avais une couette. Hein, et il a vrillé le mec. Il a vrillé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Comment il a dit? Ouais, je vrille, il a dit. Il fait non, mais je vrille en vrai le mec et tout. Ouais, il a halluciné. Donc voilà, je me suis trimballé avec ma couette. Je l'ai pas quitté quoi. De mon canapé, je suis revenu à mon canapé sans quitter ma couette. Je vous mettrai une photo. Fais coucou. Coucou. Fais coucou, tu sais, il a envie de dire salut ou autre chose. Non, non, mais coucou. Il est bien sage. Donc voilà, on est arrivé, donc on va rentrer parce que j'ai froid. Et puis bah, tout à l'heure. J'aime ton altitude. Poisson et la crevette. C'est quoi?
C'est une cerise. Ben, oh, c'est un fruit, tu connais pas? Mais c'est une cerise. Mais non, c'est un cranberry. On dirait un chewing-gum pourri. Non. Le cranberry, c'est en anglais. Et en France, mais non, ça, c'est cranberry. Ça s'appelle cranberry, c'est comme ça. Ah, mais ouais, d'accord. C'est bon, Océane, je prête, c'est bon, t'as trouvé? C'est pas le truc pour les chiottes, en fait. Ah, voilà, ça y est. Bon, on applaudit Ophélie, s'il vous plaît, on applaudit Ophélie. Merci. Oh, ça va, ça va. C'est pas là, trou de balle, c'est... les amis, ben, on repart déjà. C'est quoi, ça doit être une heure ou deux heures. Ouais, 1h30, 2h d'après-midi. Donc ben, on repart parce qu'on a énormément. 2h d'après-midi. 2h30. On est bien content parce que ben, du coup, on est resté vachement de temps sur le stand radical. Ouais. Il y a beaucoup d'équipe. Voilà, ouais. C'est sur l'équipe d'Andreas, Michel, tout ça, grosse dédicace. Ouais. Andreas, Michel, Nico, grosse dédicace. Super sympa, franchement, une super bonne équipe, les trois mousquetaires comme ils disent, et des abonnés qui sont passés, franchement, super quoi, les photos tous ensemble, tout ça, franchement on a vraiment aimé quoi, donc voilà quoi, c'est on fera ça de toute façon dans 2 ans, s'il y a toujours s'ils le refont le forum. On va voler ma voiture. De quoi? Mais non. Ah non. Non, mon frère me dit qu'il s'est fait voler sa voiture, peut-être j'ai eu peur sur le coup. Donc par contre on a rien acheté quoi. On a pu goûter, comme vous avez pu voir, hein, les boissons énergisantes radicales. T'avances toi gros toi? Je t'en sors une. De quoi? Mais non, mais on les a vus. Vous avez vu, j'étais en train de boire avec. Donc voilà. Ça a le goût, hein, ça a le goût d'une boisson énergisante. Hein. Donc on va vous faire un petit montage, tout ça. Aussi, putain, quand on a croisé le magicien, quoi, excellent. Ouais. Il m'a fait halluciner celui-là.
le magicien, là c'était une grosse dédicace aussi à lui. Franchement, chapeau, chapeau. Et puis voilà, sinon qu'est-ce qu'on prévoit d'autre sur la chaîne Bientôt Dépêche. Ouais, bientôt Dépêche, normalement je pars dans deux semaines. Deux semaines ou trois semaines. Dans deux semaines je crois, je pars pour une semaine avec Victor. Donc en gros dans trois semaines vous aurez peut-être une vidéo. Voilà. Donc je pars pour une semaine en gravière, grosse gravière hein, de 70 hectares. Donc c'est une pêche qui va être nouvelle pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de pêcher en gravière. Je vais suivre les conseils avisés de Michel et Andreas, enfin toute la team. Donc pêcher à la chicken et à la Beardy Devil, donc avec les asticots. Voilà. J'essaierai peut-être les dumbbells, là c'est une grosse dédicace à Andreas. Hein. Les dumbbells cranberry, là, je sais pas trop quoi, en français ça doit vouloir dire cerise ou un truc comme ça. Un cranberry quoi. Ouais. Ocean Spray. Voilà, Ocean Spray. Hein. Donc voilà, voilà, voilà. Donc bon, bah on vous dit à bientôt. Et puis continuez à aimer tout ça, faire des commentaires. Voilà. Vous êtes au top. Et puis merci encore de tous vos abonnements. Et puis bah à la prochaine alors. À la prochaine les amis. Allez, bye. Salut.